conseil parce que dans le Var, ben, il n'y a rien. Donc, après, j'ai le bac, baccalauréat professionnel, accueil, relations clients, usagers. Je dors pas, quoi. Je suis au fond de la chasse. Perds sa place. C'était une petite vanne. On sait jamais, une petite blague. Un CV bien structuré ne fait pas tout, il faut savoir se présenter à l'oral. La deuxième étape du parcours, c'est le pitch. Finalement, pour Doria, le plus compliqué n'est peut-être pas l'écrit. Bonjour, je me présente, je m'appelle Moussa Doria, j'ai 23 ans. Non, Doria Moussa. Ton prénom, c'est quoi, Doria? C'est Doria. Et alors, pourquoi tu m'appelles Doria Moussa? Ouais, mais c'est pareil, c'est le nom de famille et le prénom, non, avant? Non. Ok, l'inverse. Bonjour, je m'appelle Doria. Bonjour, je me présente, je m'appelle Doria, j'ai 23 ans. Je suis agent de sûreté, à reporter, je travaille dans les arts. Non, j'ai bugué, ça y est, j'arrive plus. Ah, ça y est, c'est bon, j'arrive plus. Si, tu vas y arriver. Non, c'est bon, j'arrive plus. T'inquiète. Non, j'arrive plus, je le sais, je me connais. Pour la première fois depuis le début de son parcours, Doria abandonne, mal à l'aise à l'oral, les premiers conseils du collectif lui font peur. Mais Doria n'a pas le choix, si elle veut trouver un emploi, il faudra qu'elle puisse verbalement convaincre un recruteur. L'étendue des possibles, elle est immense. Hein. Donc, le nouveau, c'est quoi? Là, tu ne dis rien. Tu ne me regardes pas dans les yeux. Tu ne m'as pas regardé une seule seconde dans les yeux. D'accord? Donc, on maintient un regard. C'est stressant. Regarde, je suis en train de te regarder, ça t'intimide, mais je ne vais pas le lâcher. Le moment tant attendu est enfin arrivé pour Doria. BSL Service lui propose une formation préalable à l'embauche, mais surtout de pouvoir évoluer par la suite dans cette voie professionnelle qui lui correspond. Doria, je voudrais te dire d'abord bravo. Merci. Alors j'ai demandé à des chefs d'entreprise et acteurs de l'emploi de venir nous aider. Et voilà, Dominique Thion, vous êtes donc premier adjoint à la ville de Marseille en charge de l'emploi. Tout à fait. Et surtout chef d'entreprise. Tout à fait. Et aussi, chef d'entreprise. Et aussi. Voilà, et je voudrais vous poser une question à ce sujet. Voilà, très simple. Vous, en tant que chef d'entreprise, quelles sont vos attentes lorsque vous recrutez un futur salarié? Je crois que c'est la motivation d'abord. Voilà. Est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle est enthousiaste? Est-ce qu'elle a envie? Bon, on ne s'attache pas trop aux imperfections d'un CV ou au parcours. Ça, c'est autre chose. Bien qu'on l'ait lu, parce que de toute façon, on convoque les gens, on les reçoit que si on a lu un CV qui nous a séduit. Mais après, c'est est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle pose les bonnes questions? C'est-à-dire, si elle commence à se poser la question de savoir le temps de trajet, est-ce qu'il est long? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, on se dit, bon, il y a des réticences à prendre ce type d'emploi. Mais quand la personne ne s'occupe pas trop des problèmes matériels liés à cet emploi et qu'elle manifeste beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, ça va, ça gomme tout le reste. Voilà. Entre deux personnes, on choisira toujours celle qui est la plus motivée, la plus opérationnelle aussi, mais ça, c'est pas grave. Surtout qu'elle soit motivée, qu'elle ait envie, qu'elle veut rejoindre une équipe. Après, il y a un petit truc, est-ce qu'on a envie de renouer ce contact? Est-ce qu'on a envie de revoir cette personne ou pas? Sinon, on n'embauche pas, c'est clair. Donc voilà, il y a aussi ce côté, pas séduction, mais elle a envie, elle est compatible avec l'équipe, elle va arriver facilement. Voilà, il faut que ce soit, que ça coule bien, que ce soit simple. À savoir être, en fait, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Un comportement, un comportement positif, voilà, exactement, c'est clair que, est-ce que cette équipe peut s'intégrer facilement à une équipe? Est-ce qu'elle sera bien accueillie? Bon, parce que les salariés qui vont travailler avec elle, ils sont toujours anxieux, voilà, parce qu'une nouvelle copine de travail, ou pas de nouvelle copine, est-ce qu'on va s'entendre avec elle? Est-ce qu'on a envie d'avoir une vie à part, etc.? Donc ça compte beaucoup dans le premier contact d'embauche. Donc je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, je suis responsable marketing et communication. J'ai 10 années d'expérience professionnelle, à la fois en agence de communication et chez l'annonceur, donc en entreprise. Et je suis originaire plutôt du 06. D'accord. Ouais, je parle par là parce que le 06 c'est par là. J'ai deux petites filles qui ont 3 et 5 ans. D'accord. Voilà. Ouais, ça occupe bien. La difficulté que j'ai, c'est un manque de visibilité, c'est-à-dire je suis sur un métier où on est nombreux. La difficulté, c'est de valoriser mon expérience. Je suis persuadée d'avoir des compétences, d'avoir des choses à apporter à une entreprise. Je ne remets pas ça du tout en question. Au contraire, j'ai envie de le prouver. Et j'attends de rencontrer du monde pour aller leur montrer mes compétences et décrocher un emploi rapidement.
qui me manque, ce sont les compétences qui ressortent de chacune de tes expériences professionnelles. Tu décris ce que tu as fait, mais je n'ai pas les compétences transverses à toutes tes expériences professionnelles. Il y a également en bas deux choses qui m'interpellent. D'une part, compétences diverses. Alors le divers, ça fait un peu fourre-tout, je trouve. Ça fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être compétences transverses, qui serait peut-être mieux. J'aime beaucoup la photo. Les couleurs sont agréables. Voilà. Je partais d'un CV donc, comme ça, qui était vraiment dans l'ordre chronologique très classique. Et là, j'ai réorganisé le CV, qui est un peu dans la même teinte, mais qui est quand même beaucoup plus dynamique parce que au niveau de l'organisation, on a vraiment les compétences qui ressortent, techniques et fonctionnelles, et après mes expériences. Et j'ai eu l'occasion donc de l'utiliser là, ce tout dernier CV. C'est vrai que la première remarque, c'est qu'on m'a dit qu'il était très beau, parce qu'on m'avait... En général, j'ai pas de remarques sur mon CV, donc là, ce qui est positif, c'est que déjà, il y a une première réaction. Et donc non, mais ça, enfin, pour moi, cet atelier a été très intéressant. Céline a obtenu un rendez-vous avec l'entreprise Jaguar Network. La directrice des ressources humaines est intéressée par son profil, mais Céline va devoir la convaincre en entretien. Bonjour, donc je suis Céline Père, responsable marketing communication. Donc je postule aujourd'hui au poste de chargée de communication interne externe de Jaguar Network. J'ai pu étudier en profondeur l'offre. Pour vous expliquer un petit peu la suite de la procédure, chez Jaguar Network, vous avez un process en 3 temps, donc qui est assez synthétique, puisque vous avez une première partie, donc un entretien avec moi, où là, on fait un balayage plutôt généraliste de votre parcours, l'adéquation de votre expérience avec la mission du poste à pourvoir. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez rencontrer les opérationnels, ce qui veut dire que vous allez avoir un entretien avec un focus vraiment sur l'environnement métier, la réalité, les interactions avec les équipes. Donc là, on va rentrer vraiment dans les missions du poste. Et en phase finale, si ça match, on vous reçoit pour un entretien final avant proposition. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire partir avec un projet de contrat de travail dans les mains. L'entretien s'est bien passé. À l'issue, elle m'a dit que j'étais sélectionnée en tout cas pour passer les entretiens suivants. On n'est plus que 4 candidats, donc ça c'est très positif. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais retravailler pour le prochain entretien et je perds pas espoir. Quelques jours plus tard, Céline apprend que l'entretien n'a pas abouti, mais elle n'a rien perdu de sa motivation. Pour atteindre son objectif, elle va continuer à développer son réseau professionnel, consciente que c'est elle qui a les cartes en main. Nous venons de voir le parcours de Céline qui a duré pendant 1 mois et elle aurait dû être avec nous sur le plateau. Malheureusement, elle a dû s'absenter et on a une explication, elle a tenu à s'adresser à nous en images, vidéo. Je ne suis pas là aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai signé un contrat en CDI, un poste de responsable marketing communication dans une entreprise en plein développement. Donc pour moi, c'est parfait, c'est exactement ce que je recherchais. Aujourd'hui, donc, je vais m'épanouir dans mon poste, mais je vais continuer à aider les chasseurs d'emploi. C'est vrai que j'ai bénéficié moi, de tout cet accompagnement et j'ai vraiment envie de donner aujourd'hui à ceux qui sont en recherche. Je suis passée de l'autre côté, mais il y a vraiment de quoi transmettre. Donc je remercie beaucoup toute l'équipe et j'encourage les chasseurs d'emploi à persévérer et à s'accrocher. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour Céline. Je m'appelle Patrick Fouquier, bien sûr, j'ai 52 ans, je suis manager et entrepreneur d'artistes. J'ai des artistes dans le monde du rock, le métal, bien sûr, et aussi le punk. J'ai compris très vite qu'on allait forcément devoir mettre les bouchées doubles pour l'aider à réaliser enfin son rêve. Pour le collectif, la tâche s'annonce compliquée. Il va falloir trouver un mentor pour Patrick qui sera en mesure de l'aider à promouvoir ses artistes et à entrer en contact avec les salles de concert. À l'origine, la recherche d'un mentor, c'est pour qu'un spécialiste métier puisse conseiller le chasseur. Là, pour Patrick, il faut lui réapprendre les bases actuelles de son métier. Je pense qu'il vit dans son monde. D'où l'importance d'un mentor, quelqu'un qui puisse le cadrer et le conseiller. Donc mon réel conseil pour Patrick, c'est de prendre en considération ce que le digital a changé, modifié, métamorphosé dans son métier, l'accepter et se former. Il est évident que Patrick a un gros travail de community management, en tout cas un travail pour prendre le virage du numérique et pouvoir continuer son métier avec les nouvelles méthodes et les nouveaux outils. Patrick a démarché différents organismes et a finalement obtenu une formation. Pour lui, c'est une nouvelle étape qui commence. Il va pouvoir rattraper le temps perdu
et pourquoi pas réaliser son rêve, devenir manager d'artiste. Donc c'est important maintenant qu'il arrive à trouver, en plus de la base informatique, etc., mais qu'il arrive à trouver des secteurs qui lui permettent de rentrer en contact. C'est un métier de contact énormément, pour le moment encore. Et donc il faut qu'il se mette en mouvement par rapport à ça. Et Arcade, par exemple, il y en a d'autres aussi. Oui, bien sûr. Les CFA de la Friche de la Belle de Mai, on ne va pas tous les citer. C'est des gens qui sont capables de vous mettre en contact avec toute une série de personnes et de structures qui après sont employeurs. Et puis moi, par exemple, Babel Men Music est un regroupement de musiciens et d'organisateurs d'événements. On va avoir à peu près, le troisième week-end de mars, aux alentours de 2000 professionnels qui vont venir coordonner, écouter, travailler ensemble et faire la fête aussi, parce que c'est quand même un peu l'idée générale de la Fiesta des Suds. C'est convivial, la Fiesta des Suds. Voilà, c'est toujours ça, on a vieilles habitudes. C'est quelque chose qui peut effectivement permettre à Patrick de venir et de rencontrer en contact. Et je propose, moi, qu'on le garde 4 jours avec nous. Au bout de 4 jours, s'il n'est pas employé, c'est qu'on est vraiment mauvais. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça. You're safer and you're wasting my time. Je m'appelle Bertrand Marcorel, j'ai 45 ans. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille, plutôt dans les entreprises PME. J'ai travaillé en France et à l'étranger, notamment en Angleterre. Je recherche un travail dans une société qui conçoit ou développe un produit. Si éventuellement le produit, c'est qu'un plus, et j'ai un petit fait pour le monde de l'agroalimentaire. Le travail d'un commercial, c'est similaire à la chasse à l'emploi. Au sein du collectif, chacun peut apporter ses compétences et devenir solidaire avec autrui dans sa recherche d'emploi. Pour cela, les compétences commerciales de Bertrand sont un atout pour les autres chasseurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une feuille Excel et j'ai fait un petit pavé où je mettais en haut tout un tas d'informations sur quant à la date de parution de l'annonce, le type de société qui postulait, savoir si cette société-là c'était un cabinet de recrutement ou pas un cabinet de recrutement, et puis des informations pour pouvoir les contacter. Ça, ça ne va pas bouger. Si les capacités de Bertrand à vendre sont un atout, il a d'autres compétences transverses à mettre en avant pour booster le développement d'une entreprise. Il a profité de la présence en atelier de Sylvain Parodi, dirigeant d'Urban Service, pour demander conseil. Vous allez avoir votre réseau, d'accord ? Vous allez avoir vos amis, entre guillemets, c'est votre réseau professionnel existant, vos anciens collègues, vos anciens salariés, vos anciens clients. Ces gens-là connaissent du monde et ont aussi leur propre réseau. Donc finalement, en croisant les réseaux, vous allez forcément trouver un contact qui vous intéresse. Première question va s'adresser à toi, Bertrand. Comment te sens-tu ? Beaucoup mieux. Quand je suis arrivé chez CV Street, je ne savais pas très bien quelle était ma voie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus clair dans ma tête. Il y a un objectif que tu sens un peu plus proche ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai défini quel était mon projet de vie, quel est le type d'entreprise que je recherche et qu'est-ce que je veux faire à l'intérieur. Des recommandations, comme tu as le secret ? Mon secret, je vais le donner à Bertrand, attention. En effet, penser c'est bien, tous les conseils qu'on vient de te donner, c'est extraordinaire de pouvoir justement approcher des personnes comme ça de ce milieu qui vont t'aider. Moi je vais avoir un conseil vraiment pratique et je t'ai dit tout à l'heure, l'action, agir, il va falloir que tu agisses, que tu prennes à bras le corps tout ça. Donc j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Des bonnes paires de baskets. Super. Qui vont te permettre de courir. Attention, il faut cacher la marque. Et hein, cacher, voilà, qui vont te permettre de courir. Regarde, d'un coup, j'avais mes talonnettes dedans. Voilà. Et je te les prête. Tu me les rendras bien usées. Hein. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Le passage à l'action, le concret. Alors, je m'appelle Rémi Arnoux, j'ai 29 ans et je cherche un poste de développeur web. Alors, moi, je pense que Rémi devrait se redresser, ouvrir ses épaules et prendre de la place en augmentant la police, en augmentant le poste pour lequel il postule. La candidature, on se doute bien que si vous envoyez un CV, c'est que vous candidatez, donc c'est pas besoin de le mettre dans le titre. Les pistes de recherche d'emploi se précisent pour Rémi. Il doit maintenant se préparer à la prospection et envisager différents cas de figure. Cet exercice suffira-t-il à le conforter dans sa recherche ? Alors, si l'entreprise me dit qu'elle n'a pas le temps de prendre mon appel, je leur dirai que je voudrais un rendez-vous un autre jour. Donc, je leur proposerai une date demain et je leur proposerai
une heure où ils seront disponibles. Rémi rencontre des difficultés à exprimer correctement son projet. Émilie Sabi, directrice de la communication chez Tunnel Prado, est intervenue pour clarifier le positionnement de notre chasseur d'emploi. Anouk est chargée de communication. Comme Rémi, elle est chasseur d'emploi. Ayant créé sa micro-entreprise depuis 10 mois, elle est peut-être la mieux placée pour aider Rémi à créer son activité. Rémi est venu me parler de son idée de monter son auto-entreprise intégrateur web. Et étant moi-même auto-entrepreneur, je lui ai conseillé de saisir cette opportunité. En effet, c'est un très bon moyen pour se faire connaître, développer son réseau, avoir un book et aussi se présenter par ses compétences et non pas comme un chômeur. Justement, Rémi, comment te sens-tu ? Je vais très bien, l'expérience a été très positive, mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Quel type de travail ? Prendre plus confiance en moi, mieux m'exprimer, mieux exprimer en public et proposer mes services. Déjà, on peut te féliciter parce que justement, faire un plateau télé, ce n'est pas évident. Si Rémi ou les autres se présentent en disant « voilà, après travail rendu, je facture le travail que je vous ai justement proposé », là, ce n'est plus la même chose. On devient une valeur ajoutée pour l'entreprise. Il est évident aussi qu'il faut établir un objectif bien précis. Avec une méthode qui est connue depuis très longtemps maintenant, qui s'appelle la méthode SMART. Donc cet objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et inscrit dans le temps. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai 30 ans. Je suis sur Marseille depuis avril, depuis Pâques dernier en fait. Je suis chargée de communication et après un premier CDD ici, maintenant je cherche un nouveau poste dans la com. Alors moi j'arrive sur Marseille, je viens d'Île-de-France et on a décidé avec mon conjoint de partir et de tester une nouvelle vie sur Marseille. Pour Anouk, la deuxième étape, c'est l'atelier pitch. Eh bien, nous allons donc voir la présentation flash d'Anouk qui nous l'a envoyée par Internet. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai 30 ans, je suis chargée de communication depuis 6 ans et je parle anglais et espagnol. J'ai exercé en particulier dans le domaine des réseaux sociaux avec des problématiques de développement de notoriété sur le web et via ces canaux et dans le domaine des relations presse et médias pour lesquelles je maîtrise maintenant les aspects relationnels comme les aspects techniques, comme la rédaction, le bruit agence ou la création d'événements. On peut faire du télétravail ou avoir et que je monte régulièrement. Enfin voilà, il y a des possibilités pour ça, à savoir si c'est possible aussi ou pas. J'entends ce que vous me dites, mais là c'est vraiment un poste qui est basé à Saint-Etienne. Le siège est à Saint-Etienne. Du coup, on cherche quelqu'un de stéphanois, quoi. Aller au contact des entreprises est difficile, mais notre chasseuse d'emploi a montré sa motivation. Émilie Sabi, directrice de la communication de Tunnel Prado, est intervenue pour lui apporter son expertise. Si je recherchais en community management, il y a quelque chose que je ferais, c'est de chercher les boîtes qui m'intéressent et regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Si les décideurs sont là, vous allez sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas bons, c'est ces gens-là que vous devez appeler. Allez, trêve de suspense. Daniel, on va passer à vous. Vous l'annonciez plus ou moins de manière informelle au début de notre émission. Quand est-ce le galop d'essai avec Anouk, concrètement ? Eh bien, il se pourrait que ce soit un galop d'essai peut-être au terme du mois de mars. Début mars, fin mars ? Début mars, je pense qu'on peut envisager début mars. Je rencontrerai Anouk, effectivement. Je pense qu'elle a un profil qui pourrait s'intégrer à l'agence dans ses compétences de relations presse, réseaux sociaux, j'entends. Et contenu, parce qu'on est une agence de contenu, on a besoin de gens qui écrivent correctement et qui mettent du sens dans les mots. Et on a beaucoup de process à l'agence et qu'on met en place pour les clients et pour vraiment essayer de donner un service top à nos clients. Et je pense que Anouk pourrait avoir les atouts et les qualités pour intégrer l'agence. Donc ce sera un essai, bien sûr. Je m'appelle Anne-Marie Garcia, je suis franco-américaine. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis et maintenant je suis de retour
en France. C'est-à-dire que dans votre histoire, vous allez raconter quelque chose qui va retenir son attention. Et c'est aussi comme ça qu'on peut intéresser son interlocuteur. Parce que si on veut qu'il retienne quelque chose, il faut qu'on touche à ses émotions. Je connais le secteur nord-américain, je connais le secteur sud-américain. Vous vous développez sur ce secteur-là, je suis en capacité de vous apporter tel et tel contact, telle et telle manière de travailler. Je connais les habitudes de business dans ces secteurs. Y a comme un décalage entre ce que tu es capable d'apporter aujourd'hui à une société et le salaire que tu demandes. Tu es en mesure de valoriser des compétences export, tu es trilingue, tu es en mesure de mettre en avant des compétences de commercial, sachant qu'en plus, celle que tu as envie de développer ici, c'est le marketing. Donc, zoomer sur ta compétence marketing au fil de l'eau, au travers de tes expériences, pour permettre à un recruteur de se projeter avec toi, dès le début d'une relation, sur du marketing. Je vais parler du sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, les entrepreneurs TPE, qu'ils fassent appel à Anne-Marie directement. Moi, je pense que les compétences d'Anne-Marie peuvent rentrer véritablement dans leur cursus et dans leur volonté. Donc, je pense que tu as un CV qui peut permettre de travailler avec les TPE. Et puis, tout simplement, j'ai un besoin personnel au sein de notre entreprise. Donc, je pense qu'on va rentrer en discussion et on va voir quel type de mission on va pouvoir concrètement lancer, très, très concrètement, dès les jours à venir. Merci. Ouais, j'adore, ça, c'est le truc pas prévu. On va voir maintenant un reportage sur le parcours d'Éric qui a duré un mois. Et puis on reviendra sur le plateau pour évoquer avec les invités une thématique que tu as soulevée, c'est-à-dire travailler dans les métiers du tourisme. Allez, on se retrouve maintenant à l'association CV Street avec les chasseurs d'emploi, le collectif où tout le monde est réuni. Cet homme s'appelle Éric. Éric est un type sympa. Son ex-femme vit en Corse avec son fils, mais il n'a pas souhaité les rejoindre car Éric aime Marseille. La cité phocéenne, il aime tant qu'il a décidé de partager sa passion avec tous les touristes qui viennent en visite. De là son envie d'être guide touristique. En mai 2015, Éric a frappé à la porte de CV Street afin d'être accompagné dans sa recherche d'emploi. Une personne nous a dit un jour « Pourquoi vous ne cherchez pas la facilité ?» Et un membre de CV Street a répondu « Face à une situation complexe, on doit tout donner et à plusieurs, on trouve plus facilement les solutions. » C'est la devise de CV Street. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ainsi que tout le collectif s'est impliqué dans la réussite d'Éric. Plus qu'un emploi, CV Street souhaite redonner confiance à Éric afin qu'il trouve sa place sur un marché du travail qui ne l'accueille pas forcément à bras ouverts. Moi, je suis pas d'accord que les musées passent forcément par la mairie, parce qu'on a de plus en plus de musées privés qui n'ont rien à voir avec la mairie, qui n'ont pas de subventions, qui sont des musées vraiment de fonds privés. Au téléphone. Non, pas de E. Non, on recommence, pas de E. Bon. Moi, je connais un autocariste qui est toujours en fait en poste, en fait. En poste, il est toujours en poste. En plus, il est directeur de sa structure. Et il se trouve que c'est le plus gros autocariste de la région. J'ai envie de te proposer, écoute, de passer un entretien pour, si ça t'intéresse, aller plus loin et peut-être être guide touristique pour te remettre un pied à l'étrier. J'ai été vraiment content de participer à cette émission et de pouvoir vous rencontrer. Je pense qu'on peut avoir une très bonne synergie ensemble. Je commence déjà à maîtriser mon métier. À Marseille à nouveau puisque j'ai guidé tout l'été. J'ai fait une saison touristique d'août à octobre. Donc je suis content de pouvoir continuer maintenant. Catherine a 50 ans, franco-américaine, elle a vécu 25 ans aux USA avant de revenir vivre en France il y a 4 ans. Tout lui réussissait. En poste, en tant que responsable marketing et communication, elle a travaillé pour de grands groupes. Ce qu'elle avait besoin, c'est de réseau, c'est de communication et de retrouver une cohésion de groupe, ce qu'elle pense pouvoir trouver au sein de CV Street. Donc quand j'ai entendu parler de CV Street, je me suis dit je vais donner une chance à ça et voir un petit peu comment ça marche et ce que ça peut m'apporter.
Le parcours sera compliqué pour Catherine, un profil international, des expériences conséquentes. Âgée de 50 ans, la question se pose, sera-t-elle capable de se remettre en question et d'avancer pour trouver un emploi ? Fabrice Fontanier, accompagnant bénévole de la première heure, a voulu venir en aide à Catherine. Longtemps directeur commercial du journal La Marseillaise, Fabrice a développé un énorme réseau professionnel dans la région. Un réseau qui l'a aidé à mettre à profit des chasseurs d'emploi dans le cadre de leur recherche de mentors. J'ai 51 ans depuis quelques mois. Et j'aimerais bien faire en sorte que les gens qui ont dépassé la cinquantaine, ils trouvent du travail, quoi. On n'est pas des has-been. C'est grâce à Fabrice que Catherine a pu rencontrer Alban Recourcet, dirigeante d'Active Formation. Alban a été convaincu par le projet de Catherine et souhaite l'accompagner dans sa recherche d'emploi. Alors Alban Recourcet, vous êtes directrice et dirigeante du centre de formation Active Formation. Alors on l'a vu dans le reportage, hein, il y a eu une rencontre extraordinaire initiée par Fabrice Fontanier, responsable des partenariats et des mentors, de la recherche de mentors sur CV Street. Pendant un mois, un accompagnement en tant que bénévole, 2 jours par semaine. 2 jours, oui, tout à fait. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, ben oui, ben, ah oui, voilà. J'ai de la chance. Ouais, ouais. Ben, c'est un parcours sur lequel on s'est engagés toutes les deux. Et puis j'espère effectivement que ça va aboutir Ben, c'est déjà abouti, là. Il y a quand même ce rendez-vous. Ouais, ouais. C'est une grande chance d'être effectivement accompagné dans le cadre de sa recherche. Il faut d'emploi. Le rappeler. Hein. Moi-même, j'accompagne les entreprises. Il ne faut pas penser que c'est simple pour les entreprises non plus ou les institutionnels qui souhaitent effectivement recruter. C'est une vraie démarche. C'est aussi long parfois de leur côté. C'est difficile de recruter. C'est sur les profils IT, on est véritablement en pénurie de compétences. Donc c'est compliqué. Il faut définir son besoin. Tous les métiers d'Internet, du numérique, hein, c'est ça. L'informatique et les télécoms. Florine est une ancienne parisienne qui est venue s'installer à Marseille il y a 9 ans pour pouvoir y vivre avec ses enfants qu'elle élève seule. Je suis venue parce que j'ai eu des enfants et que c'était l'idéal. Le deuxième atelier pour Florine, c'est la présentation en 30 secondes. Un exercice où il faut être concis, clair et à l'aise à l'oral. C'est là que le collectif teste en général si le projet est cadré dans la tête du chasseur d'emploi. Globalement bien. Par contre, le truc, c'est que tu as dit ton objectif en dernier. Oui. Et là, ben voilà. Eh bien, quand Florine est arrivée au sein de CV Street, son projet était assez flou. Et petit à petit, en discutant avec les différents ateliers, son projet s'est orienté vers la recherche d'un contrat en alternance. Cyril Slucky, président fondateur de l'association CV Street et animateur de l'émission, a souhaité trouver une solution pour Florine. Quand Florine n'arrive pas finalement à trouver une solution immédiate, le parcours est limité. Donc on va essayer sur le plateau télé de réunir des recruteurs ou des personnes qui vont pouvoir la mettre en relation et trouver une solution sur le temps qui nous est imparti. Dans le cadre de l'émission Chasseurs d'emploi, justement, on a des candidats très sérieux et je voudrais vous présenter Florine François. Si plusieurs moyens existent, il n'y a qu'un seul objectif, trouver une solution pour que Florine puisse obtenir un contrat professionnel en tant qu'assistante de direction. Tout le collectif s'est impliqué pour Florine pendant un mois. Elle a suivi des ateliers, rencontré des recruteurs. Il y a eu des moments où elle doutait, où elle ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de faire machine arrière. Pour Florine, c'est maintenant que tout va se jouer. Est-ce que la solution du collectif de miser sur les invités du plateau sera la bonne ? C'est ce que nous allons voir ensemble sur Chasseurs d'emploi. Voilà, un joli reportage sur le parcours de Florine réalisé par Joshua Fitoussi avec Johanna Robert et Bruno Lara. Florine, merci beaucoup d'être venue. Merci.